Bonjour YouTube, vous allez bien? Ici, ça va au top, parce qu'on va jouer à We Who Are About To Die, un jeu formidable. Le développeur m'a donné accès au jeu complet, le jeu est dingue, moi je l'adore, et on va recommencer une aventure, parce que pour l'instant, on en a fait 3 sur le jeu complet, j'en ai publié 2 sur YouTube, parce qu'il y en a une, c'était full buggé, on avait eu des problèmes. Et donc voilà, on y retourne quoi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, première fois qu'on va jouer un Former Soldier. On va jouer un soldat cette fois-ci. Hop, laissez-moi brancher ma petite souris de gamer. Attendez que j'ai ma souris pour éviter d'avoir trop mal à la main le reste du temps. Hop. Let's go. On va se bousiller la main. C'est parti. Alors, du coup, ça donne quoi d'être un soldat? Ça donne... déjà qu'on est avec un full équipement militaire, ce qui fait grave plaisir. Plutôt sacrément cool. On va avoir des skills. Some skills from your former profession. Alors je vais déjà avoir quelques compétences de... Comme quoi je suis pas mal quoi. Pareil. Donc j'ai déjà des compétences pour utiliser mes armes, j'ai déjà de l'équipement, j'ai un petit peu d'or, j'ai déjà un petit peu de fame, mais j'ai un maximum de vie de moins 20. Donc là je vais être à 80. Wouah, c'est de la merde. Maximum stamina, moins 20. C'est fou ça, je suis un soldat entraîné et pourtant je suis une merde. Il doit y avoir une histoire de comme quoi je me suis bourré la gueule à la taverne du coin et du coup pendant des mois et du coup, ça m'a pas mis bien quoi. Il doit y avoir une histoire comme ça si je lisais ce petit truc là. Peut-être que je me trompe. Stamina regeneration. Bon, stamina et vie, on est baisé, mais on a de l'équipement et tout pour commencer. Donc pour débuter, c'est bien. Plus tard, c'est moins bien. Quelle est la condition de victoire? Il faut accumuler une richesse démentielle de 100 000. Suffit de faire un petit peu de forge et puis terminer, non? Ah, c'est pas le bon jeu, pardon. Allez, let's go pour cette petite run. Donc déjà... On a une petite hache qui fait 18 de dégâts, c'est pas grand chose. Oh, le bouclier il est trop nul. Le casque est pas mal. À part le casque, on a que de la merde. Franchement, je suis pas convaincu de cette... Oh, c'est ultra stylé ça. J'ai un look avec ça là. Regardez-moi ça, regardez ce look là. Pa. Quel bel étalon. Ah, mais c'est pas à moi. Bon, bah tant pis. Ah c'est bon, j'ai plus le bug, ok c'est bon. Je suis content, j'avais eu un bug pendant une de mes aventures. Le problème est réglé. Est-ce qu'on se met un petit accessoire là? Non, pas d'accessoire, on se le mettra plus tard. Allez, on fonce directement dans l'arène. Donc je suis niveau 1, on peut faire un petit 1v1 là. Allez, petit 1v1 pour débuter, ça va être top. C'est un soldat asthmatique. Peut-être. J'avoue que j'ai vu soldat, mais j'ai pas vu le mot avant. Peut-être. Non, c'était Former Soldier, je crois. Je sais plus. Bonsoir. Désolé, j'ai pris trop de temps pour te suivre. J'en suis désolé. J'espère que tout le monde va bien. Comment ça? J'ai pris trop de temps pour te suivre. C'est-à-dire trop de temps avant de prendre la décision de me suivre. C'est scandaleux. Tu seras banni de ce live. Non, merci d'être là. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tu vas te calmer. Voilà, 10 de dégâts dans la gueule. Vous voyez que le mec il se bat avec un bâton, moi j'ai une hache de guerre là. C'est vraiment pas mal. Par contre je fais 0 dégâts quoi. C'est vraiment nul la hache par contre. Hein. Ouh, 20 dégâts là. Je l'ai mis dans le bide. Ma hache elle est déjà pétée, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est du troll. C'est du troll. Non mais attends, elle est pas pétée. Elle est cassée. Elle est cassée. Truc de fou. Truc de fou, c'est trop de la merde ce perso. C'est trop nul. J'ai plus rien combattant, je peux plus me battre. C'est bon, j'ai vu qu'il y avait un pilum derrière là.
Putain, la stamina, il en manque, hein. Il en manque, il en manque. Tiens. Pff, la fame, on n'est pas terrible, hein. Ah, j'essaye d'augmenter. J'essaye toujours de crier un petit peu pour saluer le public à la fin. J'ai l'impression que ça augmente un petit peu. Des audiences like that. J'ai l'impression que ça augmente un petit peu la fame. Alors pour ceux qui comprennent pas le truc du public et tout, en fait en bas à droite de l'écran, il y a une jauge qui augmente en fonction des actions que je fais. Et du coup, si je me bats contre un mec et que je fais que courir, que je fight pas et que je le laisse se faire tuer par d'autres adversaires par exemple, et ben le public va me détester, ils vont me lancer des tomates dessus et tout. Et les tomates peuvent un peu me stun et tout. Mais surtout, si j'arrive avec un multiplicateur de fame de 0 à la fin d'un match, que je survis, et ben je vais gagner aucune renommée. Alors que si je me bats comme un fou, comme un démon, et que je défonce tous mes adversaires, je peux arriver jusqu'à un multiplicateur de 2 x 2. Et donc la renommée que je suis censé gagner pendant ce combat va être multipliée par 2. Et la renommée, c'est une genre de monnaie qui va me permettre de débloquer des choses pour mon Ludus, ce genre de choses, quoi. Le Ludus, c'est là où je peux m'entraîner, c'est là où je reviens à chaque fin de combat. Le jeu est sorti? Non! Le développeur m'a donné l'accès complet au jeu, mais parce que je suis un créateur de contenu. D'ailleurs, combattant, ça y est, j'ai les clés! Les développeurs de Battle Cry of Freedom m'ont donné les clés. Demain, je vais vous bombarder d'informations sur YouTube, sur Discord, sur Twitch, partout. Dimanche à 20h, je veux 100 combattants alignés sur le champ de bataille, ok? Est-ce qu'on est bon ou pas? Est-ce qu'on s'est compris? Les développeurs m'ont donné 100 clés du jeu Battle Cry of Freedom. Le jeu vaut 20€. J'ai 2000 balles à vous donner, ok? Est-ce qu'on se comprend? C'est un peu ma manière de vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez et tout. Je suis allé chercher ça, contacter les développeurs et tout pour que ça arrive. Ils ont été très généreux. 50 ou 100 clés? C'était 50 ou 100 clés. J'ai eu la confirmation, j'ai même les clés en ma possession. J'ai 100 clés à vous donner. Ok? Donc, dimanche à 21h, événement des combattants. À 20h, pardon, événement des combattants. Rejoignez le Discord. Demain, je vous donne toutes les informations. Mais vous pouvez déjà aller dans le channel événement info et vous allez voir ce qu'il vous faut, ok? Demain, je veux un soutien à les combattants pour vous que vous disiez qu'on va être beaucoup, ok? Je donne toutes les informations demain. Bref. Mais du coup, vraiment, j'en suis très fier. Hein. Contacter un développeur. Voilà, moi, 14 ans, tu me dis plus tard, tu contracteras des développeurs, tu leur diras que tu viendras avec ta commu, tu répondras à l'appel, tel Théoden et l'Héroïrim qui arrivent à Minas Tirith, et ils te donneront 2000 balles de jeux vidéo à donner à ta commu. Oh là là, les combattants, ça va être dingue en plus, on va passer une soirée de fou, je compte sur vous. Je compte sur vous pour être présent et répondre à l'appel. Bref, pour l'instant... We who are about to die. Ouais, bah j'en suis pas fan de ce personnage en tout cas. C'est pas grave, on va voir ce que ça va donner. Le bouclier, on veut pas. Aïe aïe aïe, on va débloquer un emplacement de shop en plus. Il aime bien le Seigneur des Anneaux, le développeur, j'ai l'impression. Ces armes-là, elles ressemblent à des armes elfiques, je trouve. Oh là là, avec le petit... Le petit bout de tissu au bout là, c'est ultra stylé. C'est ultra stylé. Il y a vraiment moyen de se faire des persos ultra stylés dans le jeu. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il y a moyen de faire... C'est ultra stylé, ok? Et le combattant répondra. Incroyable. Ah, oh, je vous aime, combattant. Merci d'être là. Attends, j'ai entendu 2000 balles. Bah le jeu vaut 20 balles. Les développeurs m'ont donné 100 clés. Je te laisse faire le calcul. Hein. C'est tout. Je vais faire le calcul. Est-ce qu'il y a un petit arène où il y a des armes qui sont drop? Oh là là, raté. Oh là 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 là, oh là 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 là. Non mais je vais devoir acheter un truc nul là. Non! Faut faire ça. Parce que sinon je vais être bloqué après, ça m'est déjà arrivé. Ok. Let's go. Je prends ça. Et on y va. J'ai pas grand chose d'autre à acheter pour l'instant. À la limite, un petit peu booster ma stamina étant donné que... Ouais, je vais faire ça.
Je vais m'entraîner sur ma stamina pendant ce cette semaine là. Et donc, hop. Voilà, je vais acheter deux régimes d'entraînement. Et donc au prochain combat, je vais avoir moins de moins 2% de stamina max, mais ça va augmenter ma stamina pour les prochains combats. On peut même mettre 3 en vrai. On peut aller chercher le troisième. Voilà. Et là, j'ai 15% en moins. Ça risque de faire mal. D'autant plus que mon perso, il a du mal. Ouais. J'ai peut-être un peu trop... J'ai peut-être un peu enflammé. C'est pas grave. On va faire ce combat-là. Où je me... On est à 2 contre 1. Ça devrait être assez easy à faire. Et je devrais m'en sortir. Entraînement stamine. J'ai pas la ref. Stamine. Stamine, stamina. Les clés, c'est juste pour l'event ou c'est... Non, c'est... Je... Les clés, je vous donne le jeu, vous l'avez ad vitam aeternam sur Steam. Non, les clés, c'est pas juste pour l'event, hein, c'est les clés du jeu. Quand je vous dis que les développeurs m'ont filé 2000 balles à vous donner, 2000 balles à vous donner. Ok. Merci pour ça. Quoi? Non, mais attendez, non, mais si je vous dis que c'est une dingue, c'est pas une dingue... Je vous donne pas une clé pour que vous jouiez 5 minutes. Vous avez une clé du jeu. Du moins, c'est comme ça que je l'ai compris. Et pour l'instant, j'ai donné aucune clé. Mais combattant, moi, ils m'ont dit que c'était une clé du jeu. C'est une clé du jeu. Il est sorti, le jeu. Alors, je parle pas de ce jeu-là. Hein. Là, c'est juste qu'il y a un événement ce dimanche. Donc, je vous en parle. Désolé pour ceux qui sont là pour We Who Are About To Die, notamment sur YouTube. Mais c'est très important. Il faut que ce week-end, on soit minimum 100 sur le champ de bataille. Il faut prouver... Que quand les combattants, on leur donne une opportunité, ils la saisissent, ok? Let's go. Toutes les informations sont sur le Discord des combattants, et demain, je vous bombarde d'infos, vous allez tout savoir, ok? Tout ça, l'événement. Ah oui, vous, dernière information. Vous avez le jeu. Vous êtes garanti de jouer une soirée de fou dimanche, ok? Événement avec 750 joueurs, on va être une centaine, on va être le plus gros régiment, on va être en ligne, on va vivre un truc de fou ensemble, moi je vais vous faire faire des trucs marrants. Hein, parce que moi j'aime bien qu'on soit en ligne et qu'on respecte les règles du serveur et tout. Mais s'il y a moyen de faire 2-3 conneries ensemble, on les fait. Alors on respecte les règles par contre. Hein. Les conneries, c'est moi qui les lance et vous suivez mes ordres. Vous n'allez pas faire des initiatives tout seul, sinon vous serez ban et vous me ferez passer pour un con. Donc s'il vous plaît, venez pas foutre le bordel sur le jeu. Et vous êtes au moins garanti de passer une soirée de fou. Ok. Et après, si vous aimez le jeu, vous pouvez y continuer et jouer pendant 100 heures, 200 heures si vous voulez. Juste 5 heures si vous voulez, juste comme ça. Bref. Je compte sur vous. Mais pourquoi les gens, j'arrive, ils m'insultent déjà, ils me lancent déjà des trucs dessus? C'est scandaleux. Oh, j'ai pas d'endurance. Je lui mets dans la gueule. Paf. Paf. Oui mais ok, d'accord, je suis d'accord que je suis en train de le frapper dans le dos, mais moi je m'en fous. Moi je veux survivre. Ouf, j'ai plus d'endurance là. Allez, on se calme. Vas-y, prends l'aggro sur mon allié là. Bien l'allié, bien. Tiens, dans ta gueule. Bien. Alors, c'est qui le patron? Je crois que le public il m'aime pas. J'avais une fame négative. Un seul mot. Les clés. Non mais demain je vous filerai toutes les clés combattants, ceux qui sont inscrits et tout. Enfin, on va faire la sélection. Je sais pas, je vous donne toutes les informations demain. Pour l'instant, j'ai pas pu trop préparer. Juste j'ai eu les clés. Demain je vous donne toutes les informations. Rejoignez Discord des combattants si vous voulez avoir plus d'infos. Ok. Effectivement j'étais un peu en négatif. Ça va, c'est pas non plus la catastrophe. J'ai un streamer qui a 32k6 follow et 400 viewers en moyenne, qui est intéressé pour le jeu We Who Are About To Die. Tu peux me donner le name du dev, histoire de que j'essaye de lui avoir une clé comme toi pour présenter le mode. Ouais. Il s'appelle Jordi, le développeur. Il suffit d'aller sur le Discord du jeu. C'est qui le créateur? Frangipane ou pas? Non. One-handed sword. Ouais, mais l'épée, ouais, elle fait 12 de dégâts, c'est nul. Ouais, mais ça me permettrait d'utiliser mon bouclier. Et là, c'est un skill. Oh, je vais prendre l'épée. Ah, je peux. Ouais, non, mais c'était. Non, elle a l'air bien. Oh, no free slot. Si, y'a moyen. Y'a moyen, ça va le faire. Ok.
Je vends ça. Et je prends l'épée. Hop. Oh bien, là, regardez-moi ça, là. Je vais aller sur le toit du monde. Hermanel. Ok, merci. Ça me dit rien comme ça, mais je regarderai. La réduction sera sur Steam pour Battlecry. Alors, le jeu sera en réduction à partir du 23, effectivement. Et ce sera sur Steam. Mais bon... Si vous avez pas eu votre clé et qu'il y a trop de monde qui demande des clés, pourquoi pas, mais... N'hésitez pas à venir prendre une clé sur le Discord des combattants, là. J'en ai quand même 100 à donner. Très bon, si vous voulez soutenir les développeurs, n'hésitez pas. Merci pour le follow, El Guiton. Bon, pas besoin de me soigner, ça s'est bien passé, on est bon. Je vais pas améliorer mon... Quoique, est-ce qu'on pourrait essayer d'aller chercher rapidement le fait de pouvoir se healer bien, avec 8000 par exemple? On peut tenter un combat qui va me rapporter pas mal d'argent. 1v1, c'est combien ça? Ça rapporte pas grand chose. Il faudrait que je voie pour pas trop énerver les patrons. Patron favor. Il faut que je contente les patrons ici pour pas qu'ils me mettent des bâtons dans les roues. Et donc il faudrait que je fasse soit une arène violette, soit verte. Et donc là c'est jaune. On va utiliser un petit peu notre... Je sais toujours pas qui c'est qui la gère. Toujours pas. Oh la vache. J'ai obligé... Oh là là, j'ai pas les infos. Là, c'est le rouge. On va aller faire celle-là. Ouais, mais rapporte, c'est celle qui rapporte le moins, en vrai. Ah, mais c'est celle où j'ai une chance de que ça tombe sur la bonne personne. Une chance sur quatre. Deux chances sur quatre. Est-ce que c'est si important que ça pour l'instant? Je sais pas, en vrai. Je vais plutôt aller faire ça. Je me sens bien pour un duel. On verra plus tard pour faire des duels, enfin des arènes pour contenter les différents patrons. Cette arène elle lag, c'est dommage dans cette version du jeu. Dommage, c'est dommage. J'ai bougé un petit peu la caméra, dis donc. Quoique vous avez pu voir ma barre de vie, c'est ça? Je sais pas. De toute façon, en général, je cache la caméra quand je suis en gameplay. JVG20, merci pour le follow. Allez, on va se mettre comme ça. Ah, mais il est à poil, lui. Alors là, si je prends des dégâts, c'est la honte. Ah, mais j'ai pas de fame parce que je suis un gros sac en armure, j'ai compris. J'ai compris, toutes mes... Tout mon matos fait que le public m'aime pas. Parce qu'en fonction de comment vous êtes équipé, vous avez des bonus ou des malus au niveau du... De votre fame. De comment vous aime le public. Oh, je lui ai mis une belle dans la gueule, là, bordel. Oh, il a du mal en face, hein. En même temps, il est un peu à poil, là. Mais Nick, comment il arrive à me toucher là? Putain, il passe derrière mon bouclier, salaud. Voilà. Hop. 1,38 de fame. C'est dur d'augmenter ma fame avec le militaire. Le militaire, il a full armure. Et du coup, je vais vous montrer ça. Ça donne des gros malus de fame. De renommée. Ah, attendez, qu'est-ce que je peux choisir? 2000 balles pour le prochain personnage ou throwing skill. Oh, j'aime pas le... J'utilise jamais les armes de lancer. Allez, on prend 2000 balles pour le prochain perso, même si je suis pas fan de ça. De toute façon, ça fait partie du jeu, hein. Normalement, on est censé pouvoir améliorer le Ludus ici. Et ça reste d'une game à l'autre. À voir. Imba Walk, merci pour l'abonnement. Premier mois d'abonnement au tier 1, ça fait plaisir. Merci pour le soutien. Je suis pas certain d'être présent, donc je le prendrai le 23. Ok, c'est cool. C'est beau des combattants honnêtes comme ça. Bah après, voilà, je t'invite à voir. Si tu vois que si tu vois que mercredi, quand j'ai fait l'annonce, il reste encore 60 clés, tu vois, tu peux demander en vrai.
Ouais, en vrai, je sais pas. Non, merci, c'est gentil de ne pas prendre la clé de quelqu'un qui sera présent à l'événement. C'est ce qu'il faut faire, merci beaucoup. Demain, le sang coulera. Effectivement. Événement Banner Lord, demain, dimanche, l'événement Banner Lord. Et demain, je vous donne toutes les informations pour que vous ayez les clés que je vous offre gratuitement, enfin que les développeurs vous offrent gratuitement, et pour comment on va s'organiser pour l'événement. Bref. Pas mal au niveau des sous, là. Je peux augmenter un petit peu ma stamina encore, pourquoi pas, ça se tente. L'épée, elle est toujours en bon état. Le bouclier commence un peu à tirer la gueule. Oh là là, je veux un bouclier comme ça, mon dieu. Donnez-moi ça de grâce. Bon, ça c'est pas très intéressant. Je vais garder un petit peu de fame. Pas grand chose à faire, là. J'ai ma vie. J'ai les sous. Les sous, je les garde pour acheter le... soit de l'équipement, soit le fait que le médecin me soigne mieux. Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas grand chose à faire. Donc, on retourne au combat. Par contre, il faut vraiment que je découvre... Donc, déjà, pas cette arène. Faut que je fasse une arène avec un... Voilà, on va faire celle-là. Ah ouais, mais niveau 5, le mec! Et les armes, elles sont partout. Oh là 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 là, combattant, c'est la merde. Ah, je le tente ou pas? On va faire une prédiction pour celle-là. Je vais la tenter. Bon, désolé, le son du jeu s'arrête pendant que... je suis en train d'écrire dans les trucs, enfin... pendant que je lance la prédiction. Do it! Do it! Let's go! Est-ce que je vais gagner cette arène ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le duel! En général, ça m'a mal réussi, les duels. Que ce soit dans Bannerlord ou dans... oui, We Are About To Die. Dernier run, c'est sur un duel que je l'ai perdu. Allez, vous avez une minute. Est-ce que je vous pensais que je vais gagner ou non? Vous pouvez prédire dans le chat. T'as raison, entraînement, stamina et garde l'argent pour le médecin. En vrai, pas mal, hein. Faut un bon PC pour le jeu, je sais pas, je vous invite à regarder les recommandations sur Steam. Mais il me semble que non, hein. Même s'il a des problèmes de performance sur la dernière version, le jeu. Mais c'est un bug, c'est pas le fait que le jeu demande beaucoup de ressources. Donc normalement, non, pas trop, je pense. Le truc, c'est qu'ils ont de l'armure, il faut une arme avec des HP. Bah là, les armes, elles vont être toutes par terre. Que ce soit pour mon ennemi ou pour moi. Donc il y a peut-être moyen de trouver un truc où lui, il ramasse une arme de merde, moi, je ramasse les bonnes armes, je reste à distance, je lui balance des armes, à la limite. Je mets toutes les armes dans un coin, genre, et puis je fais qu'il ramasse que les bâtons, vous voyez, peut-être des trucs comme ça. À voir. Allez, j'y vais. Je me concentre. La pluie, ça bat. Alors on voit que... oh putain, c'est des armes nulles. Oh, le mec, il va avoir une armure de fou, je vais avoir des armes nulles. En avant. Mon destin est devant moi. Je ne peux plus reculer. Les lances, en général, j'aime bien. Si j'arrive à choper bouclier lance... alors, le public va me détester parce que je vais être surarmé. Avec des armes qui donnent pas de gloire, quoi. Mais je m'en fous. Bouclier ici. Bouclier. Bouclier, j'ai dit, et avec la lance. Eh merde, c'est pas un bon truc. J'ai raté mon lancer. J'ai pas réussi, tant pis, le public me détestera. Oh, le bouclier qui est bien. Non, Nick. C'est que des javelots. Oh, ça va pas, combattant. Ok, c'est bon. Ouais, bon, niquez-vous. Le public, je vous déteste. Arrêtez de me lancer des trucs, là. C'est bon, je me bats. Ouais, il m'a tapé par-dessus le bouclier, salaud. Ah là là, il faut aller chercher le... oh, je vais le bourrer. Je vais le bourrer, de toute façon, avec sa lance, il fera moins de dégâts si je le bourre. Faut que je reprenne ma stamina. Mon mec est hyper lent, vraiment, il a du mal. Hein. Ouf. Il va passer par-dessus moi, ma parade, là. Ça va pas. Allez, viens là. Tiens, 13 de dégâts. Oh,
Il a pété le bouclier, le salaud. Tiens ! Lâchez ! J'ai plus de stamina. Il faut que je tape à gauche, j'ai l'impression que c'est là où il a le moins d'armure. Quoique, je suis pas sûr. Il a quoi à gauche? La jambe arrière gauche est... Oh putain, il frappe par-dessus, le salaud! J'ai reçu 14 de dégâts. Non mais il fait trop mal. Il fait trop... Nick! Il m'a défoncé. Il m'a secoué. Oh! La vache! C'est ça que vous voyez, le jeu il est trop bien. Quand je dois prendre mon bouclier. C'est pas comme dans Bannerlord où c'est un peu assisté les parades. Là je dois prendre mon bouclier. Le mec il vient et il essaye de me la mettre dans le dos, genre. Je dois mettre mon bouclier comme ça là. Non, tu me frappes pas. C'est trop bien, vraiment, je surkiffe. La prédiction, est-ce que je gagne ou non? C'est le oui qui l'emporte. Quel plaisir. Après un stream hier, j'ai passé mon temps à mettre des noms et à me faire défoncer. C'est pas mal. Je suis content. Voilà, et donc là, je rééquilibre l'opinion que ce personnage a de moi. Et il faudrait que j'équilibre avec ce personnage-là maintenant, pour éviter qu'il me mette des bâtons dans les roues. Je préfère avoir des relations plutôt ok avec tout le monde, et qu'il y en ait pas forcément beaucoup qui me donnent des bonus, plutôt qu'il y en ait qui me donnent des malus et d'autres des bonus, vous voyez. J'essaie d'équilibrer, du moins c'est ma strat. Est-ce que c'est la bonne strat à utiliser? Oh putain là, stamina skill ou shop reroll. Bah, étant donné que je vais pas avoir beaucoup de sous, étant donné que je vais m'acheter le truc du médecin, je pense. Plutôt la stamina, d'autant plus que mon personnage est nul à chier en stamina, donc c'est vraiment pas mal. Movement skill. Oh, 4 shop reroll. Oh non mais 4 c'est beaucoup, je le prends. Ok, je vais pouvoir aller me soigner. Ah non. It will be the largest monument. Ok, alors là, le petit événement, c'est qu'il y a les riches du coin qui sont en mode on va construire une grande tour, on recrute tous les esclaves pour venir la construire. Et donc là, je fais le choix de qu'est-ce que je fais, est-ce que je me donne à fond, est-ce que je fais juste mon boulot, est-ce que je ne veux rien branler. Et je vais juste faire mon boulot qui me donne plus de stamina max et de la faveur de tous les patrons, vraiment c'est le... C'est le top. J'ai l'impression que ça change pas trop d'une game à l'autre. J'achète le médecin. Est-ce que ça me permet d'avoir un meilleur médecin maintenant? Non, ce sera que pour la prochaine fois, j'ai l'impression. Donc, dommage. Ah, j'ai eu de la chance, ça m'a bien soigné. Hein. À moins que... Ah, j'ai pas regardé le détail. Peut-être que l'affichage ne marchait pas, mais que ça m'a vraiment bien soigné parce que je viens d'acheter le truc. Ce serait peut-être un retour intéressant à faire aux développeurs, ça. Bref. Maintenant que j'ai full stamina, là, on va pouvoir s'entraîner un peu plus sur la stamina. En vrai. Ça me demande 3 entraînements. Hop, voilà. Bon, là, j'ai plus une thune, par contre. C'est pas grave, je suis presque full life. J'ai plus de bouclier. Oh, je m'en rappelle de ce bouclier, il était incroyable quand je l'ai vu. Mon épée, elle est bien, mon épée, elle est encore en vie. L'équipement est bien aussi. Ouais, j'ai pas... Oh là, et c'est... vous rappelez cette arme là? Ceux qui étaient là? Elle était démentielle. Elle avait peu de HP. Enfin du moins, elle avait pas tenu très longtemps chez moi. Peut-être que parce que je tapais des grosses armures avec aussi. Mais grosse dingue. Bon. De toute façon, j'ai pas de bouclier, donc je peux pas non plus... Et j'ai pas de sous, donc. Je peux pas faire des miracles. On va y aller comme ça. Est-ce qu'il y a un truc où il y a des armes? Oh là, ça jamais ça. Ah, il y a des armes par terre ici, c'est parfait. Niveau 7! Niveau 7! Ouais, mais on est 2v1. Je me dis que c'est pas mal. Je me dis que ça se tente. Ça se tente? Ça se tente, on y va. Merci George Stream pour le follow. Puis en plus, c'est ça, mon personnage, il va être full stamina, vraiment. Fais voir le... Non. C'est où? Stamina 27. Je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas. Je pense que c'est pas mal. J'ai rarement eu des buffs de stats comme ça d'affilée dans mes games. On va voir ce que ça va donner. Je suis niveau 5.
Le plus loin où je suis allé, je crois que c'était niveau 10. Je vous rappelle que voilà, si je meurs, l'aventure est terminée pour ceux qui connaissent pas le jeu. L'objectif c'est d'aller le plus loin possible et de gagner ma liberté quoi. Atteindre l'objectif de victoire avec mon personnage, et là c'est de devenir riche. Mais on en est encore très loin. Alors qu'est-ce qu'on va se prendre là? Ok, pas mal ça, ça va me permettre de le taper de loin. Ok, ok, il vient de m'en mettre une. Les armes sont vraiment à chier, genre. Tiens! Comment ça il me fait autant de dégâts juste en me cassant un pot sur la gueule? Il a une lance. Oh, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. La parade! Mais le bâtard! Il souille! Oh, il me l'a mis dans la gueule! Il devait avoir un problème de santé où mon allié lui a fait des gros dégâts, mais ça s'est bien passé. Par contre, la lance dans l'épaule. Falloir essayer de... Oh regardez, oh, ça c'est trop bien fait par contre. Bon là il y a un petit problème de lance qui clip à travers le truc. Mais je peux retirer la lance de mon corps. Et hop. Par contre c'est... Il y a pas moyen de bien la lancer. Genre quand on a l'arme à deux mains, genre. Quand on est avec un bouclier, hop. Là tu fais ça. Et ensuite tu peux la lancer bien, genre. Genre il fait vraiment un lancer de javelot. Mais quand t'es sans le bouclier, je sais pas comment on fait. Bon, je suis assez mauvais au lancer. Hein. Je vous avoue que c'est assez compliqué. Hein. Pour ceux qui n'ont jamais essayé les jeux, peut-être que là vous me voyez bien évoluer dans l'espace et essayer de faire des trucs qui marchent plutôt bien. Quoi, quand je veux faire un truc, j'y arrive. Quoi. Quand vous commencez le jeu, c'est pas la même. Enfin, du moins, c'était ça pour moi. Si tu aimes ce genre de jeu, essaie Xaniam. Non, attends. Xaniama, pardon. Je recommande, si tu l'as pas déjà fait, c'est le même système de combat. Ah ouais? Je connais pas du tout. Bon, je regarderai leur stream, je regarde aussi. Merci pour l'info. Ok, il peut me soigner. Est-ce qu'on peut s'acheter un petit bouclier sympa? Pas assez de sous, hein. Je peux peut-être essayer d'aller choper ça. Alors, qu'est-ce que ça donne les combats? Ah, je garde les armes issues de cette arène. C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Pourquoi j'ai un autre casque? J'ai fait un truc que j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas ça avant. Ouais d'accord. Pourquoi j'ai un nouveau casque? Ah il y avait un bug d'affichage. Ok c'est bon c'est bon c'est bon. Je me posais la question. Ouais c'est bon, il y avait un bug d'affichage. Ah ok. Oh, le fame est dégueulasse là-dessus. Hein. Est-ce que j'économisais pas pour aller acheter ce shield genre? J'ai envie. J'y vais sans armes là-dedans. Et après je revends mon matos genre. Mais ça c'est risqué hein. Ah, c'est risqué de fou hein. Je peux acheter un slot de shop. Ouais je sais mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire tu vois? Parce que là je veux juste économiser mes sous. Je vais grid hein. Allez, ça m'a soigné au maximum. C'est le destin, ça. C'est le destin. En même temps, bon, ça pouvait que me soigner au maximum. Non, mais c'est le destin. Oh, j'y vais sans armes. Au culot.
Est-ce que je le garde, ce bouclier? Je le garde pour pouvoir l'acheter plus tard. Parce que vous voyez, je peux hold. Je peux demander au magasin de me garder une arme pour la semaine d'après. J'aurai peut-être assez la prochaine fois. Là, si je regarde combien je vais gagner là-dessus. Je vais gagner 2000. Est-ce que je peux faire un petit pari qui me permettrait de gagner des sous? Avoir 3 kills. Ouais, non, c'est mort, ça vaut pas le coup. Du coup, là, je gagnerais 2000, j'arriverai à peu près à 5000. 5000, je vends ça. Ouais, en vendant les armes que je vais récupérer, il y a moyen. Il y a moyen d'aller chercher ce bouclier. Est-ce que je le veux? Ouais, je le veux. J'aime bien les boucliers, moi. Bon, je le sens pas, là. Vous pensez que je vais gagner ou pas? Petite prédiction. On est dans la merde. Hop. Tac. Oui. Non. Ça serait gratuit, le jeu? Ce jeu-là, tu veux dire? Le jeu est gratuit, oui. Enfin, il est pas, non. La version définitive sera à 20 balles, je crois. Mais la version démo est disponible. Vous pouvez déjà aller sur Steam. Vous pouvez la rajouter à votre liste de souhaits, ce qui aidera le développeur. Et vous pouvez télécharger la version démo pour tester. Et franchement, ça vous permet de vous faire une bonne idée du jeu. Notamment, il y a des gens, ils aiment pas du tout le système de gameplay. Le système de comment on donne les attaques, comment on frappe, les parades et tout. Il y a des gens, ils m'ont dit en commentaire de certaines vidéos, « Oh, c'est nul à chier !» Moi, je trouve ça incroyable. Mais c'est un jeu qui, voilà, il a une certaine manière de jouer et ça plaît pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à tester la démo, vraiment. Vous pouvez kiffer le jeu en me regardant jouer, là. Parce qu'il y a tout le système d'arène, vous êtes un gladiateur, il y a le côté roguelite ça ressemble un peu à un roguelike où vous avez qu'une seule vie pour toute votre run, voilà, des trucs comme ça. Et bon. Imbawok, j'avais dit merci pour l'abonnement. Le troisième mois d'abonnement. Je sais plus. Encore merci si j'avais dit oui. Si j'avais pas dit. Si j'avais remercié. Si j'avais pas dit, merci. Désolé, hein, je suis un peu concentré sur le jeu. OFC. Je sais pas ce que ça veut dire OFC. Allez, on y va. Flûte, j'ai raté l'après-dit. Ouais, désolé, je mets qu'une minute pour que... Oh là là! Oh, la reine incroyable! Oh, elle est magnifique! Avec le petit truc qui tourne au milieu. Oh, à tout moment, je pousse les mecs là-dedans, ça leur fait des dégâts. Oh, la dingue. Oh, la grosse dingue, ce combattant. Salut, moi j'ai testé. J'accroche pas sur le gameplay, mais te voir y jouer, je kiffe. Vous voyez? Oh, par contre, niveau... Oh là là, oh là là. Tiens! Vas-y, toi aussi! Oh là là. Là, ça va être dur, là. Il n'y avait pas d'armes. J'ai pas d'armes, bon Dieu! Je m'en fous, l'audience, je m'en fous! Là. C'est un bout de bois, c'est un bout de bois. Le seul truc qu'ils m'ont donné, c'est un putain de bout de bois. Et voilà, et je prends un gros coup dans la gueule. Et je vais être la risée de tout l'Empire. Oh, 22 de dégâts, je lui ai fait. Y'a pas une arme par terre là? Comment il est mort lui? Comment il est mort et pas d'arme? Tiens, voilà. Ah, le javelot, je peux pas le récupérer. Putain, y'a rien. Y'a air dans l'herbe. Ah. J'ai déjà essayé de le récupérer ça, non? Ok, là c'est pas mal. Je lui perce la gueule. Oh, nickel. Je le lance. Nickel! Oh là là, c'est incroyable! C'est incroyable, combattant, ce qui se passe! C'est incroyable! Le retour du combattant! Oh ok!
Il a tellement voulu me la mettre. Vingt-quatre de dégâts j'ai pris, juste en me plantant sur son arme. Tout seul comme un grand. J'ai tapé mon allié. Non mais vraiment, vraiment, vraiment j'ai tapé mon allié. Il y a un mec qui a pas tapé dans le tas et je le tape. Après j'ai vraiment un allié, le mec c'est celui avec la plus grosse armure de la game. J'ai trop de la chatte. J'ai eu trop de la chance hein, celui-là. Enfin bon, lui il est pas mal non plus hein, avec son couteau de ses mains là. Voilà, 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 voilà. On est pas mal là-dessus. Vas-y, frappe-le, copain. Je suis tombé avec le héros de l'arène. Un truc de fou. Va-t'en, toi. Va-t'en. Oh putain, j'ai ma souris qui est sortie de l'écran. Non. Oh, il est mort en se tapant le truc. Dans la gueule. J'ai raté. Encore. Je pousse. Plus d'endurance, c'est compliqué, j'essaie de le spammer mais c'est pas évident. Mais tu vas crever, oui. Il prend combien de coups? Il a repris un bouclier, le salaud. Non, il va me tuer. Il est trop bien. Copain. Ah, tant pis, je peux pas mourir. Faut pas que je meure. Non, le jeu est trop dur. J'étais sur le toit du monde là. J'ai plus d'endurance, il faut que j'attende pour en récupérer là. Esquive. Dégage. Ah, j'arrive pas à choper l'arme. La risée de la reine. Ah, c'est bon, j'ai chopé. Allez hop, dégage. Dégage. Oh le bâtard. Au combattant, c'est la merde là. C'est bon, j'ai encore mon allié qui est avec moi. C'est encore le copain. Il faut que je l'aide. Oh, j'en ai rien à foutre d'être le... Tout le monde me déteste. Par contre, le mec il s'en va, il me laisse tout seul. Exactement comme j'ai fait, il a raison. J'ai eu une rétrospective sur moi-même là. Non. Vas-y, viens m'aider copain là. Je le bloque, vas-y, frappe-le. Frappe-le putain. Vas-y. Passe devant, je reprends ma stamina. Mais barre-toi! C'est la bonne! Yes! Yes! Oh, c'était chaud, combattant. Je suis passé pour la risée de tout l'Empire, là. J'ai couru. Il est mort, mon pote? Il est mort? Non, il s'est barré. J'ai cru qu'il était mort devant moi. Je regardais plus le combat. Du coup, j'ai gagné. Waouh! Oh, c'est fou. C'est marrant, j'ai pas vu de gladiateur sprinter comme fracas dans Gladiator. Ah mais c'est une compétence à acquérir hein. Épique le courage Fillon. Bon, c'est le moment de faire les courses. Ouah, elle est trop forte cette arme. Je l'ai senti quand je l'ai prise. Bon, pour l'instant je garde ça. 3000 et quelques, elle est incroyable. Est-ce qu'il y a autre chose? Là l'idée c'est de prendre le truc qui coûte le plus cher hein, vraiment. Ouais, 2000 et quelques. Encore. Alors j'ai l'impression qu'il y aura pas mieux. Hein. Oh la lance là. Si je prends un bouclier en plus. Parce qu'il y a ça aussi. Et certains âmes, on peut prendre un bouclier en plus. D'autres non. Là j'ai vu qu'il y en avait un là ici. C'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal. Je prends ça. Et avec le bouclier que... Je l'ai gardé ou pas, combattant le bouclier, je me rappelle plus. Dans le shop, je l'ai gardé, non? J'ai payé la fame pour le garder pour plus tard. Oui. Non. Super, merci.
Oui, ok. Parce que là, en vrai, je me bats avec cette lance-là. On est sur le toit du monde avec ça. Hein. Parce que l'épée à deux mains, c'est bien beau. Mais je suis nul à chier avec, quoi. Les parades, c'est vraiment compliqué dans le jeu. Donc je préfère vraiment me battre avec... Ouais, mais ça rapporte rien du tout. Y a pas un autre bouclier? Celui-là, il rapporte plus. 26. Visiblement, non. Bon, bah, va falloir faire avec, hein. Tant pis. J'embarque ça. Après, l'autre arme, elle coûte plus cher, quoi. Je vais avoir plus de... Non! Reviens! Il a chopé le bouclier, l'enfoiré. Je vais péter un câble. Je le bute pour récupérer le bouclier. Oh, il y a un trident là. Ça coûte combien ça? Ça rapporte rien du tout. Bon, désolé, je fais mon 5000, mais je récupère pas l'arme. Après, j'ai une épée. Hein. Non! On apprend dans la douleur. On apprend dans la douleur qu'on attend. J'allais dire que c'est... Je vais prendre ça parce que ça rapporte trop de sous. Ah merde. Ah c'est terrible. Salut, c'est Jérôme. Bienvenue à tous ceux qui sont là sur le live. Ah là là. Ah là là. Je suis abattu. Bon. Bah en vrai, voilà quoi, c'est la merde. Je peux même pas récupérer de bouclier du coup. En vrai on s'en fout, j'ai une épée. Non mais en vrai je vais juste prendre le truc qui rapporte le plus. Je suis dégoûté d'avoir pété le pot. Je suis dégoûté parce que là au final je vais juste prendre l'item pour le revendre. Je vais pas l'utiliser, l'arme à deux mains. Ah je sais plus où je l'ai mis, oh là là, combattant, c'est terrible. Est-ce que vous vous rappelez où est-ce que j'ai mis? Je sais plus, c'est pas ça. Hein. C'est celle-là. Elle est là. Sur la pelouse, non? Ouais, voilà, elle est là. Non, c'est terrible hein, ce qui s'est passé. Salut, Bunka. Oh là. Moins 18%. Elle va commencer à me détester, elle va falloir que je me concentre et que je m'occupe de faire une arène avec elle. Oh. Dashing skill, stamina skill, toujours. Le dash sans plus. Hop. Ah oui, les équipements que j'ai demandé de garder ont été gardés. Bon, c'est parfait, hein. Du coup, je le vends, ça? Après, c'est une arme Masterwork, quoi. Tu peux pas faire mieux. Non, il y a Goldie aussi, je crois, au-dessus. Non, Masterwork ou Goldie, c'est quoi le mieux? Non, je pense que ça, c'est mieux. Je sais pas. Non, je crois que les armes jaunes, c'est les meilleures. Légendaires, genre. Quelle misère, j'ai loupé la loterie. Ah, Punka, tu viens de rater une dinguerie. J'avais un vase qui coûtait 5000 et que j'allais pouvoir revendre. Incroyable, genre, me faire plein de thunes. Je l'ai balancé par terre, ça l'a pété. Fame plus 20%. Ah, bien vu, il n'y a pas que les dégâts et tout. Hein. Avec ça, je gagne beaucoup plus de fame. Ouais, mais la fame, on s'en fout. On s'en fout parce que moi, je vais chercher la condition de victoire de mon héros, comme c'est un militaire. C'est de gagner juste des sous. Donc en vrai, moi, ce que je veux juste faire, c'est gagner, c'est faire des arènes. Et la fame, on s'en fout complet. Vraiment, enfin, juste pour débloquer des choses, à la limite, quoi. Pour débloquer des emplacements de shop, des emplacements d'inventaire, pour débloquer des choses dans ce menu là, ici aussi. Mais à part ça, à part utiliser la fame, ça me sert à rien. Alors que la condition de victoire, c'est aller chercher les sous. Donc vraiment, moi je veux être le plus en armure possible, survivre le plus possible. Et tant pis pour la fame quoi. Oh, allez, je vais prendre ça. Non mais j'aime bien me battre au bouclier et tout. Et du coup ça je le vends.
Par contre, on est à 60% de revient. Ouais. Tant pis. Par contre, ça a été augmenté le prix là. Ça me disait que ça valait 3000 dans la game. On est pas loin de. On est pas loin du vase cassé au final, vous voyez. Salut Pad, merci pour le Prime. Je passe te lâcher mon Prime. On se retrouve sur YouTube. Merci beaucoup. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire en plus de l'abonnement. N'hésitez pas à YouTube. Non, merci beaucoup pour le Prime, Pan. Ça fait plaisir. Merci de passer juste pour ça. C'est très sympa. Merci pour le soutien. Dernièrement, j'utilise bien vos fonds, là. Les deux dernières vidéos sur la chaîne principale, c'est grâce au soutien que vous me donnez, donc merci beaucoup. Allez. Je vends. C'est parti. Il y a un moment, il faut prendre des choix. Il faut, voilà. Il faut appliquer ce qu'on dit. Oh, ce sera bien comme ça. Hein. Regardez-moi ça, on commence à arriver à... On commence à avoir un petit style quand même. J'aime beaucoup. Est-ce que je débloque un nouvel emplacement de shop? Tandis que j'ai pas énormément de sous non plus. Bon, j'ai juste économisé pour l'instant. Ouais. Je me soigne ou j'attends une semaine? Grand tournoi. Team 4. Je sais pas comment ça marche les tournois. Mais ouais, là, genre, je gagne énormément avec ce tournoi-là. C'est des niveaux 6. C'est des mecs avec un niveau en dessous inférieur à moi. Oh, ouais, je crois que je vais le faire. Première fois que je vais faire un grand tournoi où j'ai une chance de le gagner. La première fois que j'ai fait, j'ai pas compris. Il y avait 5 rounds qui sont enchaînés. Je me suis fait défoncer. Là, il y a moyen que je remette ma vie à fond. J'ai un bon bouclier, une bonne épée. Enfin, une épée correcte, disons. Ordinaire, quoi. Mais ça va me permettre du coup de bien viser, de piquer dans les jambes quand il faut, piquer la tête. Je vais pouvoir aller chercher les points faibles, ce qui est pas mal. Les mecs ont moins d'armure que moi. Je vais gagner un max de thunes là-dessus. Go tournoi. En vrai, go tournoi. Hein. Allez, on va faire ça. Mais avant, je me prépare du coup. Et je vais faire... Je vais me healer déjà. 34, nickel. Je vais reroll le shop pour essayer de voir s'il n'y a pas une armure qui pop. Oh là là, mais ça, je le veux, mais tellement! Mais tellement! Mais oui! Je gagne 9500 si je gagne. Le casque vaut 9700. Je garde avec ma faim. Let's go. Let's go, on est bon combattant, ça, c'est maintenant. C'est la gloire qui nous attend. Bon, par contre, un peu déçu, j'ai pas pu choper un torse ou même une pièce d'armure, quoi. Bon, tant pis, j'ai pas envie de reroll encore. On va y aller comme ça, je pense. C'est très bien. Je suis full life, un shield incroyable qui pètera jamais, une bonne épée. Je me sens fort sur les appuis, là. Allez, on est fort sur les appuis. Peut-être un petit pari pour... Parce que de toute façon, c'est la mort ou rien. Donc, faire 500 de dégâts, bah voilà, je vais clairement les faire si... avoir 6 kills. Là je mets tout. C'est le all-in combattant. Let's go. C'est maintenant. Et prédiction. Hop. Oh bien. C'est qui a lancé la prédiction là? Modérateur incroyable. Bravo, bravo Tassom, merci. Magnifique. Magnifique, magnifique. Bravo le pré-shot. T'es un héros. Le casque a un bonus de fame. Ah bah oui, avec un style comme ça, tu peux que avoir un bonus de fame. Aïe 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 aïe. Le style de ce casque est incroyable. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais il reste 20 secondes, là j'en profite. Ça me fait penser à ce jeu-là. Hein. Un jour, on testera ce jeu en live. Je sais pas, je le referai en entier. Je sais pas, genre vers Noël, vers les fêtes et tout, j'ai envie de profiter, de kiffer, machin. Mais ce jeu-là, incroyable. Fait par les développeurs de Total War. Hein.
Attention. Spartan Total Warrior. Moi, j'avais sur Xbox. En fait, ils avaient pris le moteur de Rome Total War et ils en avaient fait un jeu où tu utilises ton perso et qui va et tu tabasses et tout. Oui, PS2, moi. Oh là là, cette mission où tu dois tabasser. Oh là là là. Oh là là, quel jeu. Oh, tant de souvenirs. Alors, je sais pas si c'est en vérité mon souvenir qui est incroyable et que j'étais jeune, aussi que le jeu il est toujours vraiment bien et c'était vraiment un bon jeu, je sais pas. Exceptionnel sur le jeu sur GameCube. Et il était sur plein de plateformes à l'époque. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui y ont joué. Non, c'est toujours aussi bon. Il me semble que Creative Assembly a essayé de refaire un jeu comme ça où t'incarnes un personnage. Plus tard, moi je sais même pas le nom. Je crois que t'es dans l'univers nordique et tout. Et que ça a bidé et du coup. Ils ont plus jamais refait de jeu comme ça où t'incarnes un personnage et t'y vas et paf. Ce jeu est incroyable, meilleur que Bannerlord. Peut-être pas tiré, mais. Je sais que toi aussi tu l'aimes bien. Même souvenir, le jeu est grave bien. Putain, bah, s'il y a plein de gens en plus qui sont là et qui kiffent, on va se le faire hein, vers Noël, un truc comme ça là. On va se faire un live en mode détente, profiter et je fais le jeu de A à Z, genre. De A à Z, pardon. J'ai trop hâte. Putain, vous m'avez chauffé là. Et du coup, bah, ce casque là, incroyable. Hein, il me fait tellement penser à ça. Parce qu'il y a un moment où tu débloques l'armure où t'as ce casque là dans ce jeu là. Et c'était vraiment. J'avais l'impression d'être un héros grec. Incroyable. Allez, c'est pas grave, on y va. On passe à autre chose maintenant. Concentration. Ouh, oh, il y a une plaque tournante et tout, mais vraiment, c'est trop bien. J'adore le jeu. Là, c'est vraiment c'est le gros truc en plein milieu, quoi. Tu te le prends, à mon avis, tu te fais one shot. Je sais pas si la taille change les dégâts. Oh, les petites haches, là. Je peux pas prendre ça comme arme, elle est meilleure que mon épée. S'il vous plaît. Non, et pas bon, bah tant pis. Oh, je me sens un petit peu à poil. Ouais, mais mes ennemis, ça va. Mes ennemis sont pas trop non plus. Hein. Oula. Oh putain, ça a l'air d'être démentiel le truc. Oh non! Donne-moi ton casque maintenant! Putain, mais il est incroyable lui. Il est ultra godé le mec en face de moi. C'est qui ce héros de l'arène là? Il se fout de la gueule du monde. Pourquoi il y a des pecnos et à côté il y a lui? Il fait 4 mètres de haut. Il a une épée de fou. Non mais c'est Léonidas le gars. Ouf. Vous allez vous barrer, oui. Ils sont deux sur moi. Ils sont deux sur moi, barrez-vous. Rentrez chez votre mère là. Barrez-vous, je me casse. Ça suffit. Voilà, barrez-vous, tapez-vous dessus. Tant pis si le public me déteste, je m'en fous. Tiens, regardez ça le public. Je frappe dans le dos de mes ennemis, j'ai aucune race. Là, il faut passer sur la gauche et lui mettre dans le bide, là. Le mec, il a pas de défense dans le bide, faut frapper à gauche. Il a l'air d'avoir des problèmes de stamina, donc... Allez, parade. C'est plus simple avec un bouclier de cette taille-là. Je me calme un peu. On y retourne. Voilà, 2 contre 1, c'est bien. Il m'a mis un petit coup. Non, j'ai frappé dans le vide. Non. Non, va-t'en. Tiens, voilà. Par contre là, il y a les trois mecs en blanc là. Il faut les calmer eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a balancé son arme dans le ciel lui. Ah c'est bon, j'abandonne, je lâche mon arme, laissez-moi. Allez, vas-y, frappe. Fatigue-toi là-dessus. Spartiate. Défendez les Thermopyles. Oh, je suis passé au travers. Vas-y, bloque-toi dans le coin, tu vas être bien. Faut que je le frappe sur le bras droit. Oh, il m'a mis 20 de dégâts, l'enfoiré. Son marteau, il est immense. Il faut que je mette des estocs. Il faut que je vise pour faire des estocs. Ah. Parce qu'en fait, quand je fais des stocks, je suis très bien couvert en fait par mon bouclier. Sauf que là, c'est compliqué d'aller les chercher. Et... Putain, mon allié qui fait un taf incroyable. Mais niquez-vous les autres là, c'est bon. Oh, j'en ai rien à foutre, moi je suis un militaire. Tiens, voilà. Chez. Oh, les mecs, ils veulent que je change d'arme là. Qu'est-ce qu'il fait? Mon allié il est en train d'aller se... Qu'est-ce qu'il fait? Il y a toujours le mec terrible.
Dommage, ça, ça sera, j'avoue que j'aurais bien kiffé. Bon, j'aimerais bien qu'il vienne m'aider l'autre. Je veux lui lancer dans la gueule, je veux lui lancer dans la gueule. Et bah tant pis, 5 de dégâts. Allez hop, on retourne chercher un truc. Ça, ça avait, voilà, ça avait l'air pas mal ce marteau là. On va prendre ça. En vrai, il faut que. Voilà, voilà, tu veux te barrer? Vas-y, barre-toi, barre-toi. Vas-y, vas-y, tue-toi, tue-toi. Ah non, il a pris un bouclier. Tiens. Personne n'a envie de se battre. Oh, lui, lui, je lui mets un coup, c'est terminé. Voilà, je l'ai senti qu'il était. Lui, il était fébrile. En fait, le, dans le jeu, là, actuellement, il y a tout un système où les mecs, ils ont peur. Et quand ils ont peur, ils se mettent en coin dans un PLS. Et ils arrêtent de se battre comme un. Oh, j'avais oublié. Je suis mid-life. Je suis mid-life. Oh putain, j'avais oublié que c'était un tournoi. Oh, c'est la merde. Ça va le pote qui est à poil, genre? Genre tu peux pas faire pire comme, comme allié, genre? Vas-y, frappe-le dans le dos. Allez, frappe. Tiens. Oh, je lui ai défoncé. Oh, le marteau, il est immense. J'ai le marteau de Thor. Bon, c'est pas les bons, c'est pas les bons dieux, mais ça, ça le fait quand même. Plus de stamina, on se calme un petit peu. Hop, on lui tourne autour. Ouf, 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 ouf. Il m'a fait 11 de dégâts. Énervé. Tu as crevé, oui. J'arrive pas. Samina. Et barre-toi, barre-toi. Ils sont deux contre moi là, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Barrez-vous. Comment il a encore de la stamina, il vient de taper un sprint là. Putain, je donne des coups par la gauche pour essayer de passer par-dessus son bouclier. Voilà, ça marche bien, mais il en a encaissé des coups lui hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je vais plutôt taper ceux avec les boucliers. C'est ceux qui me font le plus peur. Oh, ça va être dur de faire un autre round après. Ça va être très, très dur. Ça va être très, très, très dur. Allez, lui, je le termine, je le termine. Il a plus de stamina. Je me tue, je me chue, je me fatigue, c'est pas grave. Mais Nick, il y a un mec à côté de toi. Ah, c'est ton pote. Tu veux pas taper ton pote, s'il te plaît. Allez, je me casse. Oh là 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 là. C'est bon, c'est mon allié ça, il faut que j'aide mon allié, faut que j'aide le copain. Il est encore en vie, il est à poil, il est encore en vie, c'est un héros. C'est un héros. Ah par contre il vient d'en prendre une là. C'était pas voulu, le mec il était juste en train de se déplacer. Vas-y Nick, arrête de me pousser là, il est insupportable. Mais il est ultra fort le marteau. Oh il est ultra fort ce marteau, je le garde. Je ne me quitte jamais. Ah moi je focus encore les mecs avec les boucliers, c'est ceux qui me posent le plus de problèmes en général. Tu veux pas m'aider je sais que t'en avais vécu des vertébrés pas mûrs mais... Vas-y passe devant. Vas-y là. Allez. Énerve-toi un peu là. Montre-leur qui tu es. Il en peut plus, ça y est. Il a décidé d'abandonner. Ça y est, il le regarde, il le regarde. Mais bats-toi gamin. Tu déconnes ou quoi? Et lui aussi, il a peur, là. J'ai plus de stamina, faut que je garde ma stamina. Tant pis pour la fame. Allez, viens. Viens, viens. Non, mais faut pas que j'aille. Le pote, il fait quoi, là? Tu veux te mettre dans le truc? Vas-y. Vas-y, vas-y, mec. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, la vache. Tiens, voilà, t'en veux encore? Pff, ça va être dur. Coup à droite, là. Et il fait une parade. Nickel. Un tiers de vie. Un tiers de vie pour le dernier round.
Est-ce que mon bouclier va tenir? J'ai peur qu'il casse à force. Vraiment, j'ai... c'est horrible. Alors attendez, là, 2-10 secondes. Je vais juste... Je vais boire un coup. Je vais boire un coup. Pause. T'as main, pousse. Pousse les gladiateurs, s'il vous plaît. Il reste combien de joueurs? Je sais pas. Combien de participants? Faudra réparer le bouclier vite. Ouais, là, je viens d'acheter un bouclier. Je sais pas combien. Je sais pas s'il va tenir bien longtemps. Ok. C'est un 4. C'est 4 joueurs. Let's go. Lui, déjà, il va prendre cher. Il faut que j'utilise plus le truc pour les pousser, là. Comment ça, il arrive à faire ça? Il est arrivé hyper énervé, le mec, là. Vas-y, je le pousse. Oh! 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 Ah, tiens. Non! Non! J'ai compris que j'étais l'homme à abattre, mais calmez-vous. Lui, c'est le mec avec pas de bouclier. Faut qu'il reste un petit peu en vie pour qu'il m'aide à gérer les autres. Je retourne vers le tourniquet. Le tourniquet, c'est pas mal. Ouh, c'était nul, ça. Oh, j'ai plus de stamina. Oh là là. Oh. Oh. Non, mais ça, l'épée, elle va me passer au travers, là. Nick, je me recule. Il faut pas que j'ouvre mon flanc. Faut que je fasse que des attaques de droite, là. Parce que lui, je peux lui mettre des goûts dans l'épaule de droite. Bah là, on a peur, monsieur. Tiens. Je fais une bonne... J'ai pris cher. Non, ça va. Je suis en train d'ouvrir mon flanc. Je viens de dire qu'il faut pas que je le fasse. J'ai plus de stamina, là. Faut que je me calme. Allez-y, je le bloque, là. Vas-y, bouge pas. Bouge pas. Va te battre avec les autres. Ça marche. Par contre, ça, c'est des mecs qui ont un niveau de moins que moi. J'ai du mal à y croire, hein. Putain. Vu mon équipement. Le mec avec le bouclier d'abord. Hop. Avec le bouclier. J'ai plus de stamina, on tempo. Non. Nick. Oh, je lui ai mis une grosse tarte. J'ai même pas utilisé mon arme. Je lui ai juste mis une claque. Ok, maintenant l'autre. L'autre parce qu'il a une... Oh, il a récupéré un bouclier, l'enfoiré. Stamina. Je laisse se battre un petit peu, comme ça je récupère de la stamina. Mais Nick, tu déconnes ou quoi? C'est maintenant, faut l'enchaîner. C'est maintenant. Ah, putain, je croyais qu'il avait tué. Ah, plus de stamina, je tempo. Mais lui non plus, faut pas qu'il m'en mette une. Ça a l'air plutôt pas mal là, ça a l'air gagné. Mim! Putain, combattant. C'est ma méronne. En vrai, trop bien. GG, merci. Ça fait plaisir d'avoir des GG, des gens qui ont perdu. Sur la prédiction. Combat de professionnel. En vrai, bien joué là. Le jeu est compliqué. Hein. Et le gros upload là. Le gros shield comme ça. J'adore, vraiment. Si je pouvais récupérer du stuff là-dessus, je crois pas. Genre, tu te mets comme ça là. Et tu bloques les mecs. Et tu les pousses dans les pièges. C'est trop bien. Et paf, je deviens riche à millions. Oh, c'est parfait. En plus, j'ai augmenté mes relations avec la personne avec qui ça allait pas. Non, c'est incroyable. Et là, qu'est-ce qu'on a gagné? Des compétences de shield ou de stamina. Shield ou stamina? Style shield, j'ai l'impression que j'étais un petit peu à la ramasse. Après, là, j'ai plus de stamina. Plus de stamina. Oh là là. Oh. Oh là là là. Ah, c'est incroyable. Le bouclier a pris midlife, ça va en vrai. Je m'attendais à ce qu'il soit genre décédé. Ça va. Ça, je vais juste le vendre.
Peut-être pas maintenant, parce que là, on est vraiment sur des prix de revente dégueu. Je vais me débloquer un point de... voilà. Ça bien. Petite épaulette. Est-ce que je veux garder des sous? Éventuellement, hein. Là, on va faire un tournoi easy win. Je pense. Une arène easy win. Tu ne débloquerais pas des slots d'inventaire pour réparer? Oui, mais pas maintenant, la réparation. En vrai. En général, je prends pas trop de coups dans les... J'ai envie de prendre l'épaule, là, surtout sur le côté qui est exposé. Ça va être pas mal, ça. Elle est bien, en plus. Non, ça va le faire. Je prends ça. Parce qu'il y a l'épaulette droite et l'épaulette gauche. On peut pas inverser les deux. Du coup... j'ai la chance d'avoir un truc qui est bien, avec des bonnes stats et tout, qui donne de la fame en plus, qui coûte pas trop cher, franchement. J'achète sans réfléchir. Là. J'achète direct. Il commence à avoir un look, le perso. Oh là là. Oh, j'ai pas les sous. J'ai pas les sous. Ça y est, j'ai tout claqué, la fois ratée. Salut à Tchoum. Bienvenue. Baiser d'achat Tchoum. On valide ou pas? Ah oui, pardon, la prédiction. Je gagne, oui. Merci. Le marteau tout à l'heure était incroyable, effectivement. Vraiment. Formidable. Après, je peux la hold. Oh, mais je la trouve pas. Je trouve qu'elle va pas avec mon armure, du coup. Vous savez que ici, c'est le style avant tout. Peut-être me calmer par rapport à ça, d'ailleurs, sur ce jeu-là. En vrai, de toute façon, je vais pas gagner 8000 pendant la prochaine arène. Est-ce que j'avais... Est-ce que j'avais réussi mes paris? Je sais pas si vous avez eu l'info, combattant. Genre, est-ce que j'ai eu des sous en plus à ce niveau-là? Merci Xavier pour l'abonnement! Salut Captain Fracas, merci pour les... Salut Captain Fracas, merci pour tous les streams sur Bannerlord et pour les découvertes, bonne soirée. Merci Xavier. Merci. Écoutez, moi ça me fait extrêmement plaisir que les petits jeux autres que Bannerlord vous aimiez comme ça. Moi j'adore jouer à ces jeux, ça. Donc, ah, il y a Jordi! Salut Jordi! Ah, Jordi... Jordi incroyable. Le jeu est formidable. J'adore. Et le personnage est incroyable. Stamina régène 54%. J'avoue que je sais pas ce que c'est comme stat. Oui, c'est parce que j'ai beaucoup de stats en stamina, tu vois, il veut dire. J'ai tout mis dans la stamina. J'ai tout mis là-dedans. Non, je suis bien là. Je suis très très bien. Est-ce que j'ai envie d'aller chercher des trucs là-dedans? Merci Fendrick. Incroyable, Fendrick qui offre un abonnement aux développeurs du jeu. Incroyable. Merci Fendrick. Incroyable. Non, je pense qu'il a dit que tu n'as pas assez de régène de stamina. Et oui, mais bon, je fais de mon mieux, quoi. Mais je suis d'accord. En vrai, je peux encore me train. Ça dépend de la prochaine arène. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est en fonction de ça qu'on va adopter une stratégie. Beaucoup versus beaucoup. Oui, certes. On va révéler un peu ce qui se passe. Oh là non. Oh là, en plus un niveau 8. Non, j'ai pas envie de faire un duel. Beaucoup versus beaucoup, beaucoup. On va aller voir qui. Il me semble que le jaune, le monsieur jaune, c'est celui-là qu'il faut que j'aille voir. Et oui, je suis à moins 6. Et c'est quoi son arène? 3v3, niveau 8, c'est mon niveau. Ça me paraît pas mal. J'aimerais bien trouver une arène. Je vais encore utiliser mes armes là. Et la prochaine fois, je vais attendre, quitte à skip des semaines, je vais attendre qu'il y ait une arène où on nous donne des armes. Du coup, je pourrais faire tout réparer pendant que les armes sont en train d'être... Pendant que j'ai une arène où je peux quand même choper des armes au sol, tout ça. Je pense que c'est pas mal. Ça, j'aimerais bien l'acheter quand même.
Après, bon, ça coûte cher pour ce que c'est. J'ai pas l'impression de prendre énormément de coups dans les jambes. Hein. Puis j'ai déjà un truc. Non, ça vaut pas le coup. Un truc à acheter, ce serait peut-être une épée, quoi. Petite épée en plus. Peut-être on peut unlock un emplacement au shop. On peut aussi éventuellement... On peut augmenter les faveurs qu'on a avec un mec. Avec des sous de la fame. Bof. En amélioration, il y a quoi? Il y a... je paye moins cher pour soigner mon perso. Bon, bof. Prochain personnage va hériter des trucs que tu mets dans l'inventaire. En vrai, tu te débloques un full inventaire là. C'est pas mal ça. Tu te mets un full inventaire ou rempli, et tu le remplis de d'armure énorme. T'envoies ton personnage à la mort et le prochain, il a ça. Il a dès niveau 0, il a full armure et tout genre. Ce serait fort ça. Hein. Oui, c'est vrai que le patron, j'aurais dû, c'est Jordi. Does he have the same, est-ce qu'il a le même visage? Je sais pas. Ah, il pense que c'est le bouclier avec la régène de stamina. Moins 15, moins 5. Et ouais, mais c'est toute l'armure et tout, quoi. Mais moi je m'en fous, je préfère être un gros sac. Hein. Et de toute façon, j'ai pas mal pex, moi, j'ai mon énergie, donc ça va. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite. Ah ouais. La longue? Non, la longue, on va la garder pour plus tard. Et quoi d'autre? Non. Non plus. La longue, on la regarde pour quand on devient un héros, genre. Le lion est stylé aussi, hein. La peau de lion. On va juste garder ça, là, le petit écharpe, j'aime bien. Septime, merci beaucoup pour le 3e mois d'abonnement. Incroyable. Merci beaucoup. Les échelles. Ah, c'est fini, les échelles, c'est réglé. Pour le plus grand bien de tout le monde. Allez, on va y aller. Je vais donc faire cette arène, 3v3, classique. Bien. Ouais, mais je voulais quand même regarder. Désolé, hein, je prends un peu de temps. Qu'est-ce que je peux améliorer là-dedans? Donc voilà. Avoir beaucoup plus de chances d'avoir des meilleures armures. Ah, c'est bien ça. Je l'achète direct. Allez hop. Des meilleurs items qui vont pop dans le shop. Allons-y. Ouais, non, on peut à chaque fois, chaque semaine, on peut skip un combat. Pour l'instant, j'en ai en stock des skips de combat, il me semble. Ah, il gagne plus un de faveur avec chaque patron après chaque bataille. Ça coûte cher, hein. Et ça permet d'avoir plus de troupes. Jordi, est-ce que ça marche, cette compétence? Est-ce que c'est déjà dans le jeu ou pas? Oui, mais Jordius est trop musclé. Le développeur qui nous dit que oui, il ressemble à lui, mais Jordius est trop musclé. Incroyable. Plus tard, il faut faire un petit peu de muscu, Jordi, et puis Jordi pour devenir comme Jordius. Joridius, pardon. Jordi FR, il est belge, flamand, du coup il comprend le français, mais... Mais pas forcément. C'est pas sa langue native et il a peut-être plus de mal. Il se débrouille mieux avec l'anglais. Hein, dit. Ok. Alors, Jordi nous dit que cette compétence marche pour avoir des alliés en plus quand c'est possible grâce à ça. Mais c'est des troupes niveau 1 nuls, donc ça sert pas à grand chose de l'utiliser pour l'instant, c'est bugué. Ok, thank you. On va encore booster la stamina. Bim.
Juste un petit peu. En vrai, 3v3, ça va le faire. Allez, j'y vais. Je vais continuer à développer, bonne chance. Bonne chance pour le développement, merci encore de m'avoir donné l'accès, le jeu est trop bien, vraiment je surkiffe. Merci beaucoup Jordi. Bonne chance, bon courage. Oh, je vais vendre ça. Allez, on y va. 3v3, niveau 8. C'est parti. Les améliorations du Lugus, du Scolo, dans l'onglet Scolo, sont gardées d'une game à l'autre, mais ça dépend pas tous. La fonctionnalité est encore en cours de développement, d'après Jordi, de ce que j'ai compris. Bon, alors combattant, on était censé faire du Warhammer ce soir, mais je vous avoue que. Tant que je suis pas mort, moi. Peut-être que ça va arriver bientôt. On va voir, on va voir. Pour l'instant. On peut continuer encore un tout petit peu. Je ferai un sondage, je pense, pour vous demander qu'est-ce que vous préférez. Après, c'est vrai qu'on peut faire une pause et puis continuer à un autre moment, hein, mais bon, là, je suis lancé, quoi. Ouf. Dans le pied, là Ouf. Il a un bouclier, c'est une muraille le truc. Oh le bâtard, il est passé derrière mon. J'y vais là, il a donné un coup, il doit avoir du mal. Hein. Non mais niveau stamina, je suis très très bien là. En vrai. Voilà, quand ça passe par-dessus le bouclier là, c'est ce qu'il faut. Et il fait des bonnes parades quand même. Je suis en train de le spammer comme un porc. Ah, j'ai essayé de lui mettre un coup de bouclier, ça a pas marché. Encore coup de bouclier. Voilà, ça a l'air d'être pas mal ça. Le problème c'est que ça fait des dégâts à mon bouclier de faire ça. Mais comment ça? Mais de toute façon le public il m'a jamais aimé. Moi non plus je vous aime pas. Oh, j'ai raté mon coup là, quel dommage. S'il pouvait ouvrir son flanc en faisant un coup de droite, ça serait pas mal. Mais il le fait pas. Voilà, voilà, le sang coule. Allez, ouvre ton flanc là. J'attends que ça. Oh, je vais péter le bouclier. Ah ah, quoi? Mon arme est pétée. Je lui prends son épée. Ah non, c'est juste que les deux épées ont voltigé. Genre. Bah du coup, son épée elle est meilleure que la mienne, donc c'est parfait. Voilà, nickel. Par contre, je peux plus faire des stocks, et ça c'est un problème, parce que ça va beaucoup plus ouvrir mes flancs et tout. Bon, je vais faire beaucoup plus de dégâts aussi, donc... Alors lui, il est dans le coin, je vais le laisser, je vais plutôt aller aider l'autre pote. Ah, ça y est. Avec son arme, lui, il fait peur. On l'a vu, hein, que c'était une arme démentielle, ça. Qui fait beaucoup de dégâts. Mais il faudrait placer un coup. Allez, oh là là, maîtrisé. J'ai pris que quelques HP, je crois. Je suis même pas sûr d'en avoir pris. Franchement, reste sur ce jeu. Et allez hors ce jeu, mais merci pour la découverte, c'est wishlist. Un plaisir. Si vous voulez découvrir ma découverte du jeu, parce que là, j'explique pas tout en détail et tout, n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne principale. Hop, le lien de la chaîne principale est dans le chat. Allez, allez cool. Alors n'allez pas voir la vidéo juste pour cliquer et vous barrez, sinon ça va baisser les stats, voilà, je vous le dis. Si vous décidez d'aller voir la vidéo, regardez-la. Mettez un pouce bleu, commentaire. En tout cas, enfin, ouais, faut ce que vous voulez, mais... Si vous voulez m'aider, évitez de cliquer sur mes vidéos juste pour regarder une seconde et barrez-vous. Et vous barrez, pardon. Après, bon, si ça vous intéresse pas, vous barrez, vous faites d'autres vies, hein, mais... Dans l'idée. Skill de shield, plus de renommée. Oh, pas mal la renommée, là. Ouais mais le skill de shield, j'ai l'impression que là je suis en train de faire un personnage assez puissant. Parce que là vraiment, j'enchaînais les coups et j'avais pas de problème de stamina.
commence à être sur vraiment un mec qui va durer dans le temps, j'ai l'impression. Manque un petit peu de sous, mais à la limite, cette petite armure, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Ouais, mais encore, stamina régénération, moins 16. Ah, je suis à moins 5, là, je suis pas... Je vais peut-être me calmer un peu sur les armures. En vrai, j'en ai pas besoin, j'ai l'impression. Parce que j'ai vraiment tout le corps qui a découvert. Voilà, ça c'est nickel ça. Alors on va réparer les armes du coup. Par contre, une petite épée. Voilà. Ça m'intéresse par contre. One, two-handed sword. Quoi? Mais non. Ça existe? C'est fou ça! Quoi donc? Il y a des armes à deux mains et il y a des armes bâtardes? Quand t'as plus ton bouclier, tu swings à deux mains? Ce qui permet de faire vraiment des dingues. Incroyable! Toujours moins de stamina et régénération par contre. De régénération de la stamina, mais. C'est incroyable ça. Oh, je l'achète, hein. Let's go. Oh là 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 là. Et j'ai jamais eu un perso comme ça. Il y a vraiment. Je vais lui envoyer un retour. Non. Il est incroyable le jeu. Mais je lui envoie un MP, les retours et tout, du coup je le fais pas. Mais on a discuté genre hier de certains retours que j'avais sur le jeu par exemple. Il te manque une des épaulettes. Bah en vrai, à quoi bon prendre cette épaulette alors que ça m'apporterait des malus de stamina, ce genre de choses, vous voyez. Et qu'elle est complètement protégée par le bouclier. En vrai. Ça, je vais le vendre. Ouais, en plus, je gagne 70% du prix de l'objet de cette semaine, donc je vais juste le revendre. C'est très bien. On est d'accord, hein, c'est casse de merde, ça. Casse du début. Au revoir, tu m'aurais été bien utile. Tu m'aurais apporté la honte. Merde, c'est quoi ça? Ah. Est-ce que j'ai une réparation gratuite? Absolument pas. Ben ça on va le vendre. Après il y a un monde où je vais dans une arène où je peux récupérer des items avec une arme de merde, genre. Ouais, je vais faire ça. J'achète un emplacement en plus, je le mets là. Et du coup ça va réparer de gauche à droite. Ah mais il y a pas besoin en plus là. Hop. Je vais juste mettre le bouclier en premier parce que c'est le plus important. Mon épée elle est nouvelle. Voilà. Ça devrait apparaître tout ça. Je paye une. Ah, j'ai pas les sous. J'ai pas les sous. Alors pour 1000 de fame, je peux avoir 100, entre 170 et 339 de sous. Donc on va mettre. Je peux le faire qu'une seule fois, donc on va assurer le coup. Enfin, c'est même pas assurer le coup si je le fais en fait. Mais bon, on va assurer le coup. 1500. Voilà. Hop, je répare. Et là, tous les objets sont réparés. Et ça répartit la durabilité. J'ai acheté pour 100 à 200 de durabilité d'une arme réparée. Et donc, ça va mettre minimum 100 là-dessus. 200 peut-être. Ah, mais même si ça met. Ah non, mais ça mettra tout sur cette arme parce que. Parce qu'elle a vraiment trop pris cher. Après, c'est pas grave, l'épée à côté, je m'en fous. Donc, c'est très bien. J'y vais comme ça. Ça me paraît nickel. Let's go. Allez, on fait cette arène. Et pendant qu'on fait cette arène, est-ce qu'un modérateur peut faire un sondage? Voulez-vous qu'on passe sur Warhammer ou non? Oui ou non? Voulez-vous passer sur... Enfin... Voulez-vous que Captain Fracas passe sur Warhammer ou est-ce qu'on continue? Ouais. Et du coup, vous faites un sondage, c'est Paul. Et pas de prédiction, pas besoin, ça va être gagné facilement, je pense. Et du coup, oui, mais meurt avant. Voilà. Et puis, non, mais en plus, pour ceux qui veulent, qui aiment bien vraiment We Who Are About To Die, on continuera, hein. Je peux arrêter là et puis reprendre plus tard. Simplement, je vais faire juste cette arène, et ensuite on passe sur Warhammer, si c'est Warhammer que vous choisissez. Merci beaucoup pour le sondage. Merci, Tassam.
tout est bon, j'ai toute ma vie et tout. Ouais. J'ai pas de sous pour faire un pari. Gagner en 3 minutes, en 1 minute. Ça, tu fais un duel comme ça. Tu gagnes 2000 en plus. Ça pourrait être pas mal. Let's go. J'ai oublié un vous, mais ça se comprend, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, il y a quand même beaucoup de... Allez-y, votez tous, votez tous. Enfin, sauf ceux qui n'ont pas d'opinion, peu importe. Peu importe. Si vous avez un opinion, est-ce que vous voulez que je reste sur ce jeu ou que je passe sur Mountain Blade Zero Grounds? Donc Warhammer. Ah, nickel, hop, voilà. Non, mais prends pas ce pot, c'est... Non! Non, mais fais pas ça! Salaud! Mais je voulais choper le bouclier, tu déconnes ou quoi? Y'a pas un bouclier dans... Il faut que je chope un bouclier. Y'en a pas un, là. Il est allé claquer un... Non, vraiment, je peux pas me battre comme ça. Hein. Là, y'a un bouclier. Ok, nickel, c'est bon. Là, je suis bien, là. Il laisse ouvert son flanc. Je vais faire plutôt une attaque de haut vers le bas. Ah non, c'est l'attaque où je passe ma main comme ça, elle est vraiment pas mal. Oh là! Ouf, par contre, lui aussi, il m'en a mis une. J'ai l'impression que je peux vraiment spam. Aïe. Ouais. Ma stamina, elle est folle, hein. Je peux vraiment spammer comme un gros porc. Je vais vraiment y aller, quoi. Ah ouais, ouais, j'ai... Ma compétence de stamina est devenue complètement dingue, en vrai. Lui, il a une armure. Hein. Faut taper dans le pied, là. Faut aller chercher le pied. Voilà, 9 de dégâts dans le pied. Bon, je suis vraiment en train de montrer le haut de mon crâne, donc... À la limite, il tape dans le casque, quoi, mais... Nickel! C'est victoire. Incroyable. Ça, c'est super bien passé. Combattant, je suis sur une run. On a quand même 74% de non, hein. Écoutez... On va faire un entre deux parce qu'à la base le programme c'était quand même Warhammer. On va continuer jusqu'à 21h, We Who Are About To Die. Et ensuite, on passe sur Warhammer. Le jeu a l'air complexe, j'adore. Il l'est vraiment. Pour pouvoir viser le pied comme ça là, vraiment, il faut un petit peu d'heure de jeu par exemple. Enfin moi j'ai compris après plus. Je savais qu'il fallait faire ça mais... Comment le faire efficacement? Oh. Incroyable. Il pouvait le casser le pot goldé là, je m'en fous. Je m'en fous complet. Dix mille l'arme à vous. C'est juste parfait. Donc effectivement, hein, les armes jaunes c'est les meilleures, hein, c'est pas les violettes. Coûte combien le vase là? Rien du tout. Si je pouvais choper le bouclier en plus là, ça aurait été pas mal. Bon, je trouverais pas mieux. Hein. J'en suis convaincu. Je suis dans une run, là. C'est à quoi de voter, alors? Bah parce que y a des gens, ils vont arriver sur live, ils étaient venus pour Warhammer, et puis y'a pas Warhammer, tu vois. Mais en vrai, le vote fait qu'on continue. Sinon, je me serais arrêté là, on va au moins faire une ou deux arènes en plus, là. Ouais, 21h10, quelque chose comme ça. À voir, bon, je sais pas, on verra. J'essaie de tenir un peu ma parole de la base, quoi. Non, alors ça, jamais. Là, je mets tout dans ce héros. Vraiment, il est vraiment ultra puissant. Ok, 184 sur mon bouclier. Il a mis le go. Le bouclier, il est pas prêt, quoi. Il est pas nickel pour autant. Ah ouais, non, j'ai de la fame en moins, j'ai pas envie de l'acheter ça.
Oh, ça c'est stylé. Mais on n'a pas plus de fame. Là on a malus de fame. Là non. Ah là là. 19, 14. C'est pas grand chose, mais... Après, bon, si je prends un malus de fame, je m'en fous. Moi, je suis là pour vivre et gagner des sous. Hein. Je suis perplexe. Unlock. Ouais, j'unlock. Et non, c'est une arme. Après, je peux... Ah, bah, limite, je fais un petit reroll, quoi. Mais non, mais cette arme, c'est... Enfin, cette armure, ça a l'air d'être le bon équilibre, quoi. Ça coûte pas trop cher. Ça me permet de gagner. Là, je suis à 14% d'armure. Là, je suis à 55%. Est-ce que ça vaut le coup? Reroll. Ouais, non, mais non, j'ai une armure qui est pas dégueu, là, combattant. Reroll, ça se trouve, j'ai rien avant. Style est validé ou pas? Il est ok tiers le style. Moins 16 en stamina. Ouais, on passe de moins 5 à 16, ouais. Oh, mais on l'a vu, la stamina, elle était démentielle celle d'avant. Hein. Vu la thune, t'auras pas beaucoup mieux, je suis assez d'accord. Non, j'ai l'association qu'il faut l'acheter, il faut pas être trop prétentieux. À chaque fois que je prenais des coups, souvent. C'est souvent que j'ouvre mon flanc en fait et qu'ils peuvent me taper dans le bide en fait. Et vraiment là j'ai rien pour l'instant, donc ça c'est le bon équilibre je pense. Allez, je l'achète. Bah ça je prends du coup. Hein. Sinon à poil. C'est stylé mais non. Incroyable. Il est incroyable le héros là. Bonne stamina parce que tu es full PV, non? Peut-être. Oh, stamina, je dirais gêne 36. C'est pour ça que j'avais une bonne régène avant, parce que j'avais pas les armes. Ah la vache. Ça commence à faire pas mal. Hein. Ouf. Ah mais moi aussi je suis niveau 10. Alors combattant, c'est là où je me suis arrêté sur les autres games. Donc on va voir. Je pense que je vais skip cette semaine. Hein. Ça dépend ce qu'il y a. S'il y a rien de fou en arène, je skip. Pour gagner un petit peu de vie en vrai. Je paye 500 sinon. Je vais me mettre full life parce que 80 c'est pas énorme. Juste avant je vais regarder ça. Faudrait que je fasse une arène chez la dame verte. Là on est chez... On est chez Jordi. Grand tournoi à la flemme. Pit fight. Ah. C'est ça hein. C'est la bonne personne là. Maza. C'est ça. Ça me paraît tout à fait correct ça. On va aller là-dessus. Darnok! Merci beaucoup. Darnok, oui, c'est ça. Merci beaucoup pour l'abonnement. Deuxième mois d'abonnement. Ça fait plaisir. Salvette combattant. Salvette? J'ai pas la ref. Allez, Captain. Celui qui serait abonné vous salue. Incroyable. Bienvenue. Ça fait plaisir. Merci pour le soutien. Allez, on y va? Paris. Je sais pas, j'ai pas envie de tenter le diable. Ouais, j'ai pas envie. Allez hop. C'est un peu overkill que je viens de faire, mais tant pis. Gagner en 2 minutes. Dégâts aux alliés. Non, j'aurais pas tout ça. Je me sens pas capable. On y va. Franchement, ça a l'air ok. Ça a l'air de se tenter, ce genre d'arène. Voilà, c'est cette arène-là, c'est mon Némésis. J'arrive jamais là-dedans. Enfin, j'y suis arrivé une fois, mais c'était galère, et après je suis mort. Là, il va falloir faire bien.
Oh là là, mais quel style, regardez-le. Avec la mosaïque au niveau du torse. Et les fesses qui passent au travers de l'armure, c'est incroyable ça. La texture des fesses. Salvete, pour la prononciation, ok pardon. Je suis tellement lent. Ah, je peux pas faire des stocks avec. C'est dommage. Vous voyez, lui, il vient me chercher dans mon point faible. Sauf que... Oh là là! Oh. L'arme, elle est surpuissante, l'arme que j'ai. Oh là là, combattant, c'est un massacre. Je suis en train de les... Oh, le TK! J'ai fou le TK, mon allié. L'épée, elle est trop longue. Ah, mais j'ai plus de stamina, il faut que j'attende. Faut que j'attende pour régène. Attends, si je fais ça là, oh, j'ai l'arme à deux mains et j'ai plus de régène. Je régène comme ça en ayant drop l'arme. Et après, je récupère, genre. Hop. Oh, et j'ai frappé dans le vide sans faire exprès. C'est là. Après, voilà, moi j'ai des problèmes de stamina parce que j'ai une grosse armure, mais j'ai l'impression que eux c'est à peu près la même chose. Hein. Bon, j'ai niqué toute ma fame par contre. Le public m'adorait. Avec ce que j'ai fait là, c'est nul. Oh, il est ultra fatigué, mon mec. Ça va, ça arrive. Ça arrive! Ah, j'ai plus de portée que lui. Ouf! Ça va, 1,5, ça va. Ouh, c'est terminé! Je suis trop content parce que maintenant j'arrive à viser la tête. J'ai voulu lui taper dans la tête et le décapiter et ça a marché. Je suis le dernier en vie. Hein. Bon, peut-être parce que j'ai tabassé mes alliés jusqu'à la mort, mais... Un TK de Captain, on se croit à un événement des combattants. Je sais pas de quoi vous parler. Vite un modo là, qu'on le banne, qu'on le fasse taire, faites-le taire. Le fait pas. Non mais démentiel hein. Je suis trop content du stuff que j'ai là. Oh, j'ai l'épaulette qui correspond. Un petit multiplicateur de fame. Parce que c'est vraiment intéressant de faire ça. Je vais acheter ça, hein. On va acheter la full armure. Hein. Je pense. En tout cas, par contre, il y a un truc qui va pas, c'est que j'ai jamais eu d'amélioration en passage de niveau de mes points de vie. Dans toutes mes autres runs, j'ai eu plein de trucs comme ça. On va s'améliorer sur la stamina ici. Faut arriver à 100 000 de thunes. Ça va être compliqué le jeu là. Y a pas un petit... Ah là je récupère le stuff. Ah j'y vais pas. Ah j'y vais pas. Tout le stuff que tu as là aussi. Et du coup j'ai plus d'informations peut-être. Ok, niveau 9 en plus. Et moi on récupère du stuff. C'est la demoiselle violette. Ouais, les autres, je suis à l'équilibre, on peut aller là-bas. Et du coup, j'y vais avec mon épée nulle. Et ça, je le range. Ça me paraît tout à fait correct de faire ça. Oh, l'épée qui a pris trop cher, par contre. Je crois que je vais réparer.
Là, du coup, ça peut être intéressant d'acheter l'épaulette, genre. J'achète l'épaulette là-dedans. Parce que déjà, je suis trop classe. Et ensuite, je peux la remettre dans mon inventaire quand j'en ai plus besoin et que j'ai mon bouclier, par exemple. On peut faire des trucs comme ça, où j'ai tout mon corps qui va être protégé par un bouclier qui a beaucoup de HP. Je sais que je vais avoir aucun problème. Hop, j'enlève une partie d'armure. Ça peut être pas mal de faire ça. Fame, moins 20%, moins 10%. Là. Il a beaucoup plus de HP. Oh, ça va pas forcément le coup de... Not weak. This shield is not weak against cleaving damage. Ah. Genre, ouais, il a une petite compétence en plus comparé au mien, quoi. Ok, bon, je comprends. Ça me paraissait un peu bizarre qu'il ait pas de meilleur truc que ça. Ok. Bon, j'ai tout ce qu'il faut. Nickel, là. Oh, allez, allez. Qu'est-ce que vous pensez ? On part sur un petit truc de léopard. On part sur un long manteau. Pour moi, c'est soit le long manteau. Comme ça. Soit le léopard, quoi. Oh, le lion. Je vous fais le tour pendant que vous dites. Ah, je peux prendre le truc d'esclave. On va éviter. Il y a des trucs un petit peu pétés, mais bon, bof. Truc un petit peu pété. Non, ouais, non. On se met goldé, quoi. Ça, c'est non. Ça, c'est... Ah, le long, quoi. La longue cape. Le manteau, juste incroyable. Léopard, ah bah, allez, sondage. Tout le monde qui dit tout son contraire. Ah, il y a pas mal de léopards, quand même. Hein. Bon, allez, petit sondage rapide. Je le fais les modos. Hop. Oh là là, merci pour le soutien. Vous êtes très, très nombreux à vous abonner. Quel... On met quoi sur les épaules? Désolé s'il y a des fautes. Hein. Léopard. Cap. Vous avez une minute. Du coup, merci beaucoup, Xamarius. Xamarius, j'ai envie de dire. Oui, Marius et tout. C'est ça. Merci pour le Prime, deuxième mois d'abonnement. Merci pour le soutien. T'es au top. Ça fait plaisir. Bonsoir Captain Soka, comment tu vas ce soir? Ça va très très bien, vous êtes très nombreux, ça me fait très plaisir. Et je joue à un jeu que j'adore en avant-première grâce au soutien que vous m'apportez. Ça me permet d'être créateur de contenu à plein temps, même si j'en vis pas encore comme il faut. Même si on s'en rapproche, combattant, je vous avoue, pour être tout à fait honnête. Grâce à la chaîne YouTube où je mets les pubs à fond. Désolé, il y en a beaucoup qui se plaignent du nombre de pubs. Mais j'ai vraiment peur. En fait, moi, je mets pas les pubs à fond. Je fais que activer les pubs, en fait, sur YouTube. J'active les pubs et c'est tout. Et YouTube, eux, ils mettent plein de pubs. Mais j'ai peur qu'en désactivant des options de pubs sur YouTube, YouTube montre moins ma vidéo aux gens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est juste qu'elle soit montrée au plus de personnes possible. Pas de gagner une centaine d'euros au moins ou pas sur le mois, vous voyez. Moi, c'est vraiment le fait qu'il y ait plus de monde qui me découvre, qui m'intéresse. Et donc, désolé pour ça. Mais du coup, avec les revenus YouTube et les revenus Twitch, ça commence. Et du coup, bah, j'ai pu commencer à travailler avec des monteurs professionnels. Je mets tout là-dedans. Et ça me fait très plaisir, donc merci beaucoup. Donc ça va très très bien. Répare non, pas encore. Hein. Le shield, il est encore en vie. Ça, j'ai pris mid-life quand même. C'est vrai qu'on pourrait... pourrait éventuellement réparer, parce que là, réparer... mais j'utilise 5000 et puis ça va me réparer complètement plein d'objets, tu vois. Ah mais c'est le même prix en fait. Ah ouais, tu fais x5, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc au final, ouais, on va peut-être faire ça. Ouais, j'avoue, pourquoi ce... Carrément, vous avez raison. Ouais, pareil. Ça coûte cher en fait, moi je suis un radin. Je suis auvergnien, hein. Je sais pas si vous le savez. Mais... Auvergnien, c'est radin. Léopard win. 18 léopards contre 12 caps. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, mais regardez ce que ça fait le léopard avec le bouclier. Alors que la cape. Ah mais de devant quand même.
Allez, vous avez voté léopard, j'accepte. Moi j'aurais dit plus cap, parce que je suis très cap moi. Mais le léopard, c'est vrai que. Oh là là, il a un style. Ok. Comme ça, c'est pas mal. Ça me paraît bien. Allez, let's go, on y va. Ah, peut-être que je peux mettre une partie d'armure qui serait en PLS, genre. En réparation. Ah ouais? Oh, le torse qui a pris tellement cher. Vous voyez qu'il faut que je mette l'armure du torse, c'est important. Ils sont un niveau en dessous de moi. 3v3. Je paye le médecin pour me heal à la fin. Non mais tous les points de réparation, ils vont partir dans les deux objets là. Pas besoin. Allez hop. On y va. Peut-être un petit pari. Je peux tuer 3 ennemis, je peux gagner en 2 minutes. Oh c'est chaud 2 minutes hein, c'est chaud. 8 kills, je risque pas. 2 minutes oh. En spammant à fond genre. C'est quand même des mecs avec des grosses armures et tout hein. Bientôt les sponsors NordVPN et Red Shadow Legend. Bah les deux m'ont contacté Fromage ça. J'ai dit non. Mais c'était pas du tout les mêmes OP que ce que les gros créateurs de contenu ont. Mais j'ai été contacté par Red Shadow Legend et NordVPN. Mais c'était des offres pour des petits créateurs de contenu qui payaient pas assez selon moi pour la pub que je leur aurais fait quoi. Et puis même non, ça m'intéressait pas. Sans parler de chiffres. Il faudrait vraiment que pour que je fasse une OP, que ça paye bien, pour que je puisse financer un projet qui coûte cher derrière grâce à l'OP. Oui. Pour l'instant, on n'en était pas assez revenus là. Et c'est normal, parce que je suis un petit créateur de contenu. Allez, j'ai envie de le tenter, quoi. Allez, soyons fous, là. On y va. J'ai regretté instantanément quand j'ai appuyé. Instantanément, j'ai regretté. Allez, on va voir ce que ça va donner. Putain, on est déjà à 2 heures de VOD, là? Désolé, YouTube, si c'est trop long. Mais là, moi, je kiffe de A à Z. C'est une bonne VOD, en tout cas. Peut-être un peu long, mais c'est une bonne VOD. Je pense. Oh là là, le léopard, hein. Il va plus pouvoir se mouvoir, mon mec. Il va être ultra gêné. Ils ont des trucs. Bon, la régène de ma stamina, il faut peut-être que je me calme un peu là. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, avec ton arme de mort là. Casse-toi. Casse-toi. Pourquoi j'en ai deux sur moi en fait? Bah c'est pas évident. Waouh, non mais j'ai fait une parade, il est passé au travers, il m'a fait un coup quoi. Et j'ai déjà un allié qui est mort, c'est la merde. C'est ultra la merde combattant. Mais tu vas frapper, tu vas toucher mec. J'ai vraiment une arme de merde en fait. Mais je passe au travers, non mais je passe au travers de lui là. Attends, y'a un bug là. Je vais mourir. Non, je peux pas mourir comme ça. Tu vas crever toi. Je te le dis. Non mais l'autre de derrière qui le protège. Voilà. J'ai pas réussi à choper le bouclier, si c'est bon. Bon c'est bon, on est ok là. Je suis à l'abri derrière un bouclier. Ça va. Putain mais... Vraiment je vais avoir tapé les trois mecs. Allez, il faut que je gagne en 30 secondes là. Il faut pas être trop greedy non plus. Il faut frapper où là? Où est-ce qu'il faut que je frappe? Dans le pied. J'ai plus de stamina. Waouh, waouh, waouh. J'ai plus de stamina, je peux plus bouger.
Mon bouclier est trop petit pour que... Je vois rien. Tu vas crever. Ah, j'ai... Mon épée a pété. Mon épée a pété. Mon épée a pété. Bon, tant pis pour le... les sous. Ah. Je vais jamais pouvoir taper la jambe avec ça. 37. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est bien. Tiens, la jambe découpée, voilà. Oh, elle est bien cette arme là. Oh, j'ai les yeux qui piquent. J'ai pas cligné des yeux du combat. C'était chaud, hein. Vous voyez, là, je me suis senti trop enflammé. J'y suis allé alors que c'était potentiellement galère comme combat. J'y suis allé les mains dans les poches avec une arme de merde, sans bouclier. Et bah, j'ai perdu toute ma vie. À mon avis, mon armure va avoir pris ultra cher, va falloir la réparer. Mon épée qui a pété. C'est laquelle la meilleure des deux là. Tu vas la choper ou quoi là? Je crois que c'est celle-là. 476, ouais c'est ça. Au niveau de la durabilité. Allez, je m'en vais avec ça. Je m'en vais comme un prince. C'est le léopard ça. Le léopard, il m'a rendu fou. Et niveau... Eh, x2, hein. J'ai été le héros de l'arène, là. Formidable. Plus de stamina encore? Toujours. Ouais, je prends. Ah ouais, genre vraiment... La réparation, c'est compliqué, hein. Oui, mon épée a été pétée, ok. C'est bon. Oh, j'ai eu des soins en plus. Le boss, il y a un des boss qui m'a donné des sous, événement spécial, j'ai eu des sous. J'étais très content de ma performance pendant l'arène. Incroyable, merci pour les GG et tout dans le chat. J'ai toujours cru en toi, Captain. Ça veut dire, j'y croyais pas du tout, mec. Bravo, bravo. Plus d'armure. Oh, c'est l'armure qui a pété. C'est pas les... Bah non, oui. C'est la merde. Tout nu. Non mais le léopard me défendra. Hein. Le léopard c'est juste du cosmétique, hein, pour ceux qui se demandent. Bon, on va faire un reroll du shop, hein, très clairement. Hein. Ouais, j'aurais bien aimé acheter ça, mais non. Parce que... j'ai juste pas ce qu'il faut. Ah mais en plus ça augmente la fame, les deux trucs que j'ai au pied. Donc on va garder ça, hein, très clairement. Bon, en tout cas, c'est sûr, on va se soigner au moins. On va peut-être attendre une semaine, je sais pas. T'as un beau torse nu, c'est vrai, c'est vrai. Oh! Oh! J'ai lancé un reroll sans faire exprès? Attention, je l'aurais fait. J'aurais bien aimé regarder les trucs aux alentours, quoi. Oh, c'est bien, ça. C'est nickel, non? Alors, j'aime pas du tout le look, mais... Bon, bah, les couilles. Ah ouais. Durabilité 100 HP. Énorme. Hein. Voilà. Après ça, je peux le vendre. Pas forcément besoin d'argent, donc... J'avais pas embarqué une arme comme ça, moi, à un moment, en sortant d'une arène. Et genre, je voulais la revendre, et au final, j'ai pas pu la revendre. Non, mais il devait pas y avoir l'histoire de récupérer les armes, je pense, à la fin de l'arène. J'ai dû me tromper. Assurément. 100k de stock pour une bonne retraite. C'est vrai que c'est beaucoup, hein. Les conditions de victoire, c'est 100k en stock. Ou alors 100k sur toute la partie. Non, c'est 100k en stock. Pour pouvoir aller dans Victory et faire Retire. Full game, on y... Ah non, je peux pas le faire? Non, mais je suis dans le full game, là. Je demanderai à Jordi d'activer l'option pour que je puisse... Pour que je puisse terminer. Regarde. Allez, let's go. Je crois que je vais attendre une semaine. Enfin bon.
Quel perso incroyable. Bon, le truc violet sans plus, mais... J'ai l'impression qu'il était tout nu déjà en dessous, genre. Il y avait juste les petites plumes, et tout nu après. Bon, formidable. Non, non, surtout pas ce bouton. Allez hop. Combattants de YouTube, merci d'avoir suivi cette VOD pendant 2 heures. C'est la première partie de l'aventure de ARL d'Erteos. Comment on va l'appeler? L'homme léopard? L'homme léopard, hein. Léopardman? Quelque chose comme ça, hein. Je sais pas trop. Vous avez une idée dans le chat? Le monsieur plutôt classe quand même. L'homme léopard, hein. Léopardi. Je trouve un petit nom pour la VOD. Léopardman. Non, ça me paraît bien. Du coup, petit commentaire, petit pouce bleu, YouTube. 154 000 points. C'est la première fois que je fais autant. Vraiment, là. On s'envole vers le Colisée. Et on verra ça dans la partie 2 si j'y arrive. Si ça se trouve, la prochaine VOD de ce personnage, ça va durer genre 10 minutes. Je lance une arène, je meurs. Parce que la dernière, c'était compliqué. Hein. Il faut que j'ai des améliorations dans mon nombre de vie max. J'ai pas eu ça pour l'instant. J'ai eu des trucs qui compensent au niveau de la stamina. À voir. Allez YouTube, on se retrouve au prochain combat. Ciao, ciao.